Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, ne rien retenir. Sur le mont Sinaï, Dieu a donné à Moïse 5 types d'offrandes sacrificielles. L'holocauste, l'offrande de grains, l'offrande pour le péché, l'offrande de culpabilité et l'offrande de paix. Nous examinerons tout cela. L'holocauste, toutefois, était le sacrifice le plus ancien et le plus important. Ceci dit, certains se demandent pourquoi il fallait autant de types de sacrifices différents. Pour trouver la réponse à cette question, il faut trouver pourquoi il existe 4 évangiles dans le Nouveau Testament. À l'instar de chaque sacrifice, chaque évangile révèle un aspect différent de Jésus, de ce qu'il valorise, et nous invite à lui donner pleinement notre vie d'une façon différente. Les grands héros de la Bible, tels qu'Adam, Abel, Noé, Job et Abraham, ont offert des holocaustes au Seigneur. Ce faisant, ils indiquaient par la foi la mort substitutive à venir de Jésus et le désir du Sauveur de voir son peuple s'engager totalement envers lui. L'holocauste représentait un engagement total envers Dieu, motivé par l'engagement total de Dieu envers nous. Hola, le mot hébreu traduit par holocauste, signifie ce qui monte ou s'élève. Contrairement aux autres sacrifices, les holocaustes étaient entièrement consumés sur l'autel des holocaustes. La seule chose qui restait était la peau de l'animal. On la donnait au prêtre officiant et non à l'offrant, ce qui démontrait une fois de plus l'engagement complet et sans réserve de l'offrant envers Dieu. Lévitique 7, verset 8. En offrant ce sacrifice particulier, les offrants s'offraient en quelque sorte eux-mêmes sur l'autel et se consacrait entièrement à Dieu sans rien retenir. Il ne fait aucun doute que Paul faisait référence à l'Holocauste lorsqu'il a dit « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. » Romains 12, verset 1. L'Holocauste est décrit à 3 reprises dans Lévitique 1, les versets 9, 13 et 17 dans la version Nouvelle Bible Seconde, comme étant d'une odeur agréable pour le Seigneur, ce qui montre que pour Dieu, il était d'une valeur suprême. Le Créateur acceptait avec joie l'Holocauste pour au moins 3 raisons. Tout d'abord, et c'est le plus important, cette offrande était agréable à Dieu parce qu'elle était un acte de foi en son Fils, qui viendrait ici-bas et mourrait pour les péchés de l'offrant. L'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu ne tirait aucun plaisir sadique des sacrifices d'animaux dans le Lévitique, Hébreux 10, versets 5 à 8. L'Holocauste ne lui était agréable que pour une seule raison. Il prouvait que son peuple croyait en son Fils. Hébreux 11, verset 6. Deuxièmement, l'Holocauste était spécial parce qu'il s'agissait d'une offrande volontaire. Il n'était pas obligatoire, mais venait entièrement du cœur de l'offrant. Lévitique 1, verset 2. En réponse à Jésus qui a donné sa vie pour nous de son plein gré, Dieu nous appelle, nous aussi, à lui donner notre vie de notre plein gré. Chose intéressante, les 3 premières offrandes du Lévitique sont des offrandes volontaires. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Troisièmement, ce sacrifice avait une grande valeur parce qu'il montrait le type de réponse que Dieu attend de ses enfants lorsqu'ils comprennent tout ce qu'il a fait pour eux. Dieu désire qu'ils s'engagent envers lui à 100% en réponse à son engagement envers eux à 100%. Il veut que nous l'aimions parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associées au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Lévitique 1. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle manière l'Holocauste indiquait-il l'incroyable engagement de Dieu envers l'humanité? Quelle partie de votre vie devez-vous donner entièrement à Dieu, soit pour qu'il les supprime ou pour qu'il les améliore pour sa gloire? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.